10 minutes, 13 secondes, l'ancien record du monde d'apnée statique vient d'être battu. Stéphane Mifsud reste dans l'eau immobile, accroché à un record hors du temps. Les secondes, sur le chronomètre des juges, continuent de défiler. À 11 minutes 35, il sort enfin la tête de l'eau. Après 4 grandes respirations, il fait signe aux juges que tout va bien. Les officiels observent ses réactions durant 15 secondes. Les cartons blancs se dressent. Le record est désormais officiel. Bravo mon champion. Allez Marie, mets ta Marie. J'ai fait un petit voyage un peu perso, un peu difficile à décrire, où j'entendais les gens derrière, mais je commençais à voir quelque chose encore un petit peu plus loin, je sais pas. J'ai dû aller quelque part où peu de gens sont allés, où je sais pas. C'est grisant et ça fait peur à la fois. Je suis conscient hein, du début à la fin, mais je suis un peu comme dans un rêve conscient, quoi. Le tableau affiche un temps hors norme. 11 minutes, 35 secondes sans respirer. Les limites humaines viennent d'être une nouvelle fois repoussées. Lorsqu'on avait un record déjà en 95 à 7,35, on s'est dit c'est énorme, un humain qui ne respire pas pendant tout ce temps. Donc aujourd'hui, on passe la barre des 10, on arrive à un nouveau record. Je veux dire, il n'y a certainement pas de limite. On a fait les mêmes expériences avec l'air profondeur, on avait des limites plus ou moins dans nos têtes, et des chiffres ronds, et aujourd'hui on voit qu'il n'y a, je pense, pas de limite pour l'humain. 15 années de pratique sans relâche, 6 mois d'entraînement, Stéphane Mifsud a conscience de flirter avec la mort. Au bout d'un certain temps, au bout de 9 minutes, au bout de 9 minutes 30, la notion de douleur n'apparaît quasiment plus. C'est plus des notions de vie ou de mort qui s'installent et c'est le bout de la vie qui est là. Donc effectivement, on pense, on n'est qu'un être humain et on subit l'instinct. Donc il faut être encore assez fort pour subir, mais en plus le contrer et le positiver. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose autour de soi, effectivement.